du cul. C'est quoi l'histoire? Tu viens braquer Mira, tu viens braquer ma fille? Hola. Vous avez pas un petit enfant, madame? Un enfant, moi? Ouais, un petit enfant. Pourquoi tu me demandes ça, non? Non, je sais pas, vous me dites quelqu'un, madame. Ouais, Mais la non. vérité, la Elle te vérité. dit quelqu'un, Bilal? Elle me dit grave quelqu'un. Je sais plus c'est qui déjà. C'est qui déjà, elle, Bilal? Elle était à la bar mitzvah de mon fils, elle, la vérité. Viens là, viens Mais là! c'est qui, attends, c'est qui, elle, besoin? Je sais pas c'est qui. Mais C'est une meuf non. des Lobos, toi, non? C'est une meuf de la synagogue. Hein? Et qu'est? T'es une meuf des Lobos, toi, non? Et c'est pourquoi? Ah ouais? Il y a un petit enfant dans votre quartier, il me semble, non? Non, enfin, il y a plusieurs enfants, il y a des tout, mais. Le petit Alvaro, tu connais? Alvaro, non, ça me dit rien, non? Ça te dit rien? Attends, tu t'appelles comment, toi? Et toi, tu t'appelles comment? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Dis-moi, Parce que tu cherches ça Alvaro? m'intéresse. Dis-moi juste ton prénom, tranquillement, tu seras bien, y'a On a pas de perdu galère. notre enfant, là, c'est la galère. Qu'est-ce que tu dis? Allô? On a perdu notre enfant, la vérité. Ouais, C'est pas dis-moi, du quartier, c'est c'est pas quoi où ton il est. prénom, toi, déjà, dis-moi. El Diablo, tu connais El Diablo? El Diablo, moi je connais El Diablo, oui, je connais bien sûr. Attends. Bah attends, non, mais tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelais la madame. Eh, Rosario, pourquoi? Rosa quoi? Rosario. C'est quoi une dame, elle parle de toi? Attends, je t'appelle. Aïe, Rosa, aïe. parle-moi français, s'il te plaît. Tu me pètes les couilles depuis tout à l'heure, là, tu comprends pas quoi? C'est à Et... moi que tu parles, Je vraiment? parle à toi, ouais, putain, c'est quoi ton prénom? Tu me parlais mieux, allez, dégage, je veux plus te voir. Écoute. Je comprends pas quoi. Je ne comprends pas la dame, Non, quoi. non, je comprends pas. Tu me Quoi? parles, tu Tu t'appelles m'intéresses. comment? Je t'ai dit putain de merde, salope. Tu t'appelles comment? Dis-moi. C'est facile, putain de merde. Tu veux que je mette dans ta bouche? Tu t'appelles comment? Je t'ai dit, je m'appelle Rosario. Tu es vraiment Rosa, tu obligé connais de ce faire. putain de diable ou pas? Je t'ai dit que oui, tu m'écoutes pas, t'es Il est bouché ton ou quartier? quoi? Non. Mais tu veux me dire que t'es une lobos? Ah, Il y a un Je vais être plus mécontentement gentil, là. on va calmer ça, putain de merde. Vas-y, calme-toi, Dieu, calme-toi. Oui, je crois que tu C'est de quel devrais te quartier, dis-moi? calmer. C'est du Excuse-moi. quartier de Il y a Los mon Lobos, c'est ça? téléphone qui sonne. Est-ce que je peux lui Oui, répondre? vas-y, réponds et On n'est me pas parle, en s'il prise te plaît. d'otage, on communique Pas de prise d'otage, mais tranquillement. putain, tu m'as fait sérieux. Si, Ah, oui. si. Si, hola, Rosa, comment ça? Eh ben, écoute, pas très bien, Dimitri, pas très bien. C'est qui C'est t'es avec le mec là, Django là, Oui, non? je sais pas. Tu t'appelles comment, les mecs roses là? Et c'est les Rosy, je dis les Rosy. Il veut pas me donner son nom. Tu vois, je suis obligée Eh, de donner les miens. Il veut pas me donner son nom, mais c'est les les Rosy, je rosés, t'ai oui? dit. Si. On l'attend C'est depuis tout à l'heure. Mickey West, le juif. Parce qu'il a foutu la merde, tu Vous savez, bah, il vois. va Ça fait reconnaître. deux fois. Simba Là, Bourouf. il arrête pas d'essayer d'appeler un Pequeño qui est arrivé Mickey West, du le Pérou, juif. il a 16 ans. Tu vois, Si. il lui fait des trucs bizarres en mode vas-y, viens, je vais te présenter ma petite cousine, etc., pour lui faire un guet-apens, tu Vérité. vois. C'est. Du coup, je l'appelle tout à l'heure, je lui dis, écoute, on est là maintenant, viens, on va parler. Et je sais pas, il fuit comme la peste. Jure, il Ah, est mais je obligé vois, de c'est en t'arrêter fait. pour demander comment je m'appelle. C'est. Si, je crois que Voilà. pour lui, tous les latinos, ils se connaissent et ils vivent dans les mêmes quartiers. Hein. Je ne suis Non, pas sûre, mais c'est ça les non, rumeurs. mais putain, mais tu viens de me dire que t'es de Dis-lui, Los dis-lui, Lobos, Rosa, tu pour vivais favor, pour de moi. ma part, que je Arrête de l'attends au me dire point des de trucs de bête comme rendez-vous. ça. S'il vient pas, je débarque chez lui. Putain, tu vois. D'accord, Il a très pas bien, je lui Il a passe la dit. commission. Et s'il te casse Passe la les couilles commission. encore plus, tu me le dis, s'il te La plaît. commission, Ah hein. ben écoute, je me suis fait insulter au stand de tir, il m'a menacé d'un revolver. Ah viens, Sarah, Ah ça bon? pue, Tu parles ça à qui? pue. Tu parles à Ça qui? Tu pue, parles à ça qui? pue, ça pue. Vas-y, tu Attends, sais oui. quoi? Vas-y, J'étais on s'en là, occupe. moi, Arrête-moi, oui, adios. Il Voilà, a toi, vas-y, vas-y, je me Attends, casse. parce qu'il parle. Vas-y, de merde, Alors, dis-moi. j'avais El Bon. Diablo au téléphone. Apparemment, vous avez rendez-vous, tout n'est pas pointé. Donc, il m'a dit, t'attends au point de rendez-vous, eh. Viens, on s'arrache. On y va ou Oh, nous, on fait bah, quoi? vas-y, bah, on le rejoint alors à ce moment-là. Voilà, Vas-y. adios. Vous êtes la coiffeuse qui m'avait coiffé, je vous reconnais. Tout. Aïe, aïe, aïe. Les porcs, hein. Bon, pour un con, toi, vas-y, viens avec moi tout de suite. Viens avec moi, je t'ai dit, là. Oui, j'ai. Prends pour un con, voilà, passe-moi ton arme, ton téléphone, ta En radio. quoi je te prends pour un Tu me con? prends pour un con, maintenant il débarque dans mon quartier à cause de toi, viens tout de De suite. qui? De qui? Viens, cours, ta gueule, cours. Django, Vas-y, vite. prends-lui son téléphone, prends-lui tout. Sur la Tiens, Torah, hein. je te mets le Ok, c'est pris, téléphone c'est là, pris. voilà. Oui, mais Tu mets là, quoi? voilà, ici. Putain, faudrait qu'on fasse un guet-apens avec son truc d'avaro, lui. Tu t'appelles comment, dis-moi? Et je t'ai dit, je m'appelle Rosario. Rosario, putain, quel prénom de merde.
Ok. Rosario. Tu es vraiment obligé d'être aussi insultant et je sais même pas qui tu es, je sais même pas ce que tu me veux. Est-ce que tu veux bien me l'expliquer? Tu vas comprendre. Attends. C'est pas carré. J'ai fisté. Montez en voiture, par rapport à ça. Montez en voiture, les gars, montez. C'est vraiment pas la bonne idée. Ouais. Tu sais qui nous suit là? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de qui tu es. On a des trous du cul. Bon, ça va les arracher sans voiture. Va à gauche. Django, t'inquiète, on l'a fait sauter si jamais. Viens, elle va mourir si jamais. Allô? Ah ouais, tu me fais des rendez-vous et tu tires, salope que tu es. Tu sais, tu veux me mettre à l'envers à moi? Ah ouais, et tu tires. Tiens, tu me braques, tu as rendez-vous, tu veux me braquer. Tu veux braquer mes gars. Tu me dis venir à rendez-vous et tu braques mes gars. C'est la guerre, mais c'est ta pute avec moi. Tu vois, quelle guerre tu vas voir. Voilà. Suis-moi tout de suite, tu vois, tu te cannes ta pute d'ici. Ok? Tiens, tu viens à rendez-vous, tu fais la salope, tu me braques. Ton canoncier, je vais mettre dans ton cul ton canoncier, trou de balle que tu es. Je vais attraper toi et ta femme, je vais faire des trucs de fou avec ton petit, c'est bon. Ta meuf au carré là. Trou du cul, parle pas avec moi, sale merde que tu es, ouais. Vas-y, remonte avec moi, ça. C'est quoi les gosses? On a elle, ils ont personne dessus. Barrez-vous, Dis-les l'ostopos, ok? Ok, vas-y, tue-moi. Donc là, c'est comment? Pourquoi ça braque ma meuf? Chez moi? Bah, pourquoi ensuite ça me tire dessus dès que j'arrive? Zéro explication? Tu tires direct, pas, tu parles pas? Ça, je sais pas, t'as vu, c'est pas moi. Je sais pas. Mais moi, on m'a expliqué qu'il y avait une embrouille hier ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Une embrouille avec qui? Avec vous, non? Ou alors c'est pas avec vous, je sais plus. Les gars, vous braquez les gens, on sait même pas qui c'est. Vous cherchiez les petits, t'étais avec eux quand ils cherchaient les petits, t'étais vachement plus bavard quand tu étais avec tes copains. Ah, c'était pas moi qui parlais, madame. Non, c'était pas toi, mais tu étais là quand même. J'étais là, mais moi, je sais pas qui vous êtes, vous aussi. Écoute, tu as envoyé ton téléphone, j'ai appelé ton boss, là, je lui ai demandé c'est quoi le téléphone. Ah, mais c'est celui à qui t'a mis une balle, mon boss. Très bien, il méritait. Moi, je vais te faire passer un message, tu vois, moi, je suis pas un petit ici. Hein. Vous arrivez, vous foutez le bordel comme ça, vous prenez un je sais pas qui, vous croyez vous voulez sur la ville. Vous braquez des gens, vous ne savez même pas qui c'est. Tu vois, est-ce que tu savais si c'était une maldito, si c'était pas une maldito celle? Non. Tu vois, tu fais tes recherches, t'enquêtes, tu braques pas direct, tu vois. Parce que là, tu t'en prends mauvaise personne. Hein. C'est toi, El Diablo? Mais pas du tout. Je suis un Mexicain. Ah ouais, mais je comprends rien, justement, c'est ça le truc. Mais c'est pour ça, renseignez-vous. Oh, dis-moi, petit trou du cul, c'est quoi l'histoire? Tu viens braquer mes rats, tu viens braquer ma fille? Je suis pas au courant, moi, de ce qui s'est passé, j'étais pas là. Que tu es pas au courant, tu es quand même devant moi, tu étais quand même là-bas. Ouais, j'étais là, je les ai suivis, mais je savais pas ce qui s'était passé avant moi. Je suis pas au courant de tout. Que tu es pas au courant de tout, alors pourquoi t'es là, pourquoi t'es avec eux, pourquoi mes rats braquer? Quelle histoire? Raconte-moi. Intérêt à me trouver une version, sinon je vais te crever là tout de suite. Moi, hier. On m'a raconté que hier il se passait, enfin je sais pas, il y a eu quelque chose entre vous, non? Entre qui et qui? Bah entre les Rosie et vous, les... Je sais pas qui t'es, moi, cousin. Moi, je suis le bras droit des Rosie. Ah, mais je te connais ni toi ni ta famille. Non, tu m'as jamais vu encore. Qui alors, pourquoi tu me parles de hier il y a eu un truc? Hier, bah mes boys, ils m'ont raconté que c'était passé un truc. C'est passé quoi? Dis-moi, raconte-moi. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un événement avec vous et ensuite il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit que vous allez nous traquer toute la soirée, t'as capté? Il y a eu un événement avec vous et on veut vous traquer. Mais c'est avec les malditos. Ouais. Ouais. Je crois que c'est ça, les malditos, ouais. Je suis un malditos, moi. J'ai une gueule de péruvien, trou du cul. C'est ce que je lui ai dit pour lui, tous les latinos, c'est des latinos. Tout de suite. Non, c'était pas moi qui vous... Bah non, c'est pas moi qui vous êtes. Tu sais quelque chose dans la cahier, moi? Je vous connais pas, en fait, c'est pour ça, je sais pas qui vous êtes, monsieur. Oh là 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 là... Bah, ouvre tes oreilles, comme ça tu le sauras. Oi, oi, oi.
il me prend pour un malditos. Mais toi, tu veux qu'on te canne, toi? Ah, je sais pas. En fait, les dix, je lui ai posé la même question. Là, c'est des racistes. Déjà que vous nous avez tiré dessus, je crois. Je sais pas ce qui me manque. Au silencieux, quand même. Ouais, tranquille. Tu... Ah là là. Et là, tu me prends pour un maldit. Ouais. C'est sous merde. Il a même dit que j'étais la puta del diablo. C'est pas moi qui ai dit ça, madame. Non, son refait les drucs là, les Django. Mais tu vas payer pour ton refait, je crois bien. Parce que t'étais présent. T'étais présent à ce moment-là. Tu préfères que je t'abatte toi ou que je l'abatte lui? T'as le choix. Aucun des deux. Hein. T'as dit quoi? Ouais, on te pose un choix, soit toi, soit lui, on t'a pas dit aucun des deux. Autre choix. Non, dis-moi, si là j'en canne, je canne lequel? Je canne personne. Toi, n'a envie de mourir. Lève-toi, petit con. Comment? Lève-toi, il t'a dit. Tu viens de t'attaquer au lobos. Tu vois, tu comprends. Tu viens de t'attaquer en plus à ma fille. Tu vois, tu commences à saisir les neurones, ils commencent à connecter. En plus d'avoir fait déjà cette... En plus, tu me dis que c'est parce que tu te pompes. Oh là là, j'ai même pas envie de vous prendre au sérieux. Oh là là là. Et ça veut venir dans la cahier jouer sur nos terrains. Mais t'es fou, toi. T'es niqué, toi. Tous les jours, tu vas te faire manger. Ah là 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 là. Bon, pour les milliers du monde qui vont se rendre compte, qui vont trouver, bonne chance à toi. En attendant, salis pas trop le grillage. Ah là là, c'est bien là. C'est que t'as de la chance, hein, c'est grâce à moi. Non, lourd les trailers hein, avec la je musique. Je te jure, heureusement que t'as une grosse bouche quand tu parles. Mais j'ai fait exprès. Ah là, je suis un peu bourré, mais... Non, mais t'as bien fait. On j'ai est passé gueulé. À côté de la voiture, je fais, mais attends, j'ai un truc, la fille, dans la voiture. Après, j'entends ta grosse voix, je fais, mais non, c'est Rosa, les gars. Rosa. À moi tu parles? Ouais, mais c'est à toi que je parle. Ah bah écoute, je ne sais pas et je devais me marier. Je suis pas mariée et en plus tu réponds pas au téléphone. Bah moi ça m'intéresse. Ok, bah écoute, voilà, je suis née dans la région de Chihuahua, dans le Mexique. Et ouais. Ma mère, c'est une puta. Mon père, c'est un cabron. Mais mon père, tu le connais. Ouais, mais bon, tu peux pas dire à ton père que c'est un cabron, comme tu dis. Ah, je le dis souvent, Bourque, c'en est un, non? Il est, ah, s'est jamais père. Occupé de nous. Et oui, alors? Moi, bah, je suis franche. Jamais... Hein. Attends, il s'est peut-être jamais occupé de vous, mais en attendant, c'est toujours ton père, il est toujours là. Le contraire, mais justement, la il n'était pas là, il n'était pas là. C'est moi, comme j'ai dit, et c'est depuis que je suis à Los Santos que je ne l'avais jamais vu autant. Hein. Ah bon? Mais oui, il était toujours parti, il ne s'occupait jamais de nous, il n'a jamais donné de l'argent, il venait, il restait, ma mère était là, ah, il va rester pour de bonnes. Et il repartait, et il refaisait ça, et au bout d'un an, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, toujours pareil. Ah merde! Eh oui, toujours les affaires, toujours la drogue, toujours l'alcool, toujours d'autres femmes, et je sais pas, et moi. D'accord. Donc, oui, j'ai le droit de dire que c'est les cabrones, quand même. Hein. Ouais, c'est pas faux. Gracias. Donc, voilà, c'est la maman qui nous a élevés avec mon frère, tu connais Rico, non? Ouais. Voilà, c'est les grands frères, mais il est con, lui aussi. Mais il m'a... lui, il était là pour moi. Il m'a protégé quand j'avais besoin et tout. Il a fait les grands frères. Mais tu vois, la maman, elle faisait ce qu'elle pouvait. La abuela, elle était avec nous aussi. Elle m'a beaucoup appris spirituel, mi abuela, parce qu'elle était très croyante et elle pensait que j'avais besoin de ça. Et aussi, elle sentait que j'avais les dons. Alors, du coup, elle m'a poussé à certaines choses. Et puis, quand je faisais ce que ma mère m'a appris à faire, et les grands frères, ils étaient là pour surveiller que les hommes, ils faisaient pas des bêtises, tu vois. Ouais, je vois. Mais on a reçu l'éducation. Ça, c'est bien, hein.
Oh, c'est déjà une bonne chose. Eh oui, la mer c'était nos poutins, moi j'ai appris à le faire très jeune aussi, et on a fait plein de trucs, on a travaillé tous les petites mains pour les cartels, on a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir de l'argent, mais on a toujours reçu l'éducation. Je sais lire, je sais parler, je sais compter, j'ai appris l'anglais, j'ai même passé du temps à Los Angeles avant d'être renvoyé à Mexico. Eh oui, c'est pour ça que je parle bien la langue, non? Bah ouais. Eh Bah oui, ouais, tu bah ouais. vois, tout ça c'est grâce à la maman, elle est pas drée, pas du tout. Tu sais, je suis qu'un petit portoricain, moi, donc... C'est vrai, tu comprends du coup. Leroy et moi, on a vécu à New York, on a vécu à Détroit, et c'est à Détroit qu'on est tombé. Bien sûr, c'est là que j'ai rencontré Lilti, on lui a sauvé des miches en prison. Ah d'ailleurs, mais bon, je pense que vous êtes au courant, mais le 01, il a dit qu'il allait relancer la... Comment? La perquisition est chez vous. T'inquiète pas, il est mort. Ah, c'est lui? Ouais. Ah, je m'en doutais, je l'ai dit à la famille. J'ai dit à mon avis, c'est le 01. Il recommençait à baver. On m'a dit des trucs sur ce qu'il racontait sur l'ILTI et tout. Je me suis dit, lui, il va pas faire long feu, hein? Bah, il a pas fait long feu. Eh ouais, bah écoute, et voilà, quand on l'ouvre trop, et on la ferme, hein? J'en Exactement. reviens pas là, tu m'as balancé la banane, il t'a planté, sérieux? Eh oui, je te jure. Mais tu vois, je sais pas si je te l'avais dit, ça faisait quelques jours et j'avais pas des nouvelles. Il a fait sa Eh demande, ben. la bague et tous les tralala, on avait prévu de se marier et tout, pas de nouvelles. Je me dis, bon, c'est les affaires et tout, pas de nouvelles, j'envoie, j'appelle, rien, je laisse les messages, rien. Et là, on devait se marier et rien. C'est les gens qui ne fonctionnent pas par étapes. Oui, mais comme je t'ai dit, les étapes, et moi je m'en fous, mais aller jusqu'au bout, du coup, tu vois, si celui trouve l'avantage au mariage et que moi je trouve l'avantage au mariage, moi ça me va. C'est trop compliqué les restes. Vraiment, ça fait Ouais, peur, mais les sentiments et tout. Oh là là. en vérité, tu vois, tu peux avoir les deux. C'est ce que je t'écrivais. Ouais, je vais voir. Tu sais, c'est compliqué pour moi, cette idée des. Des sentiments, d'essayer de s'attacher et tout, ça me fait peur. Hein. C'est pas mon truc, je connais pas ça. Hein. Je sais pas. Tu vois, la maman, elle avait plein de qualités. Son plus gros défaut, c'est qu'elle était amoureuse de mi padre. Elle a été malheureuse toute sa vie parce qu'elle a toujours espéré qu'il reviendrait et qu'il l'aimait vraiment, patati patata, et je l'entendais pleurer, je l'entendais jurer et tout le tralala, tout ça parce qu'elle était malheureuse et déçue et meurtrie. Elle trouvait plus indépendant après, tout dépend. Regarde. Mais non, tu es indépendant, tu restes indépendant. Ça sert à rien de bouffer ton indépendance et de te faire bouffer par l'autre. C'est pas ça du tout. Avoir des sentiments, c'est pas ça. Parlons sérieusement, tu accepterais un rendez-vous avec moi ou pas? Ah, et rendez-vous, genre sérieux? Si. Et je ne sais pas, tous ces mois et j'ai. Bonsoir. Si? Au revoir, Rosa. Ouais. Ça va, ça marche Ah, bien, mais du qu'est-ce que coup? tu fais là? Du coup, c'est bon, Rosa, ils sont tous morts, là. Et si j'ai entendu dire ça, c'est bien. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu m'amuser, mais c'est la vie, hein? Ah non, c'est trop de balles, heureusement. Bravo. Rosa, bon date, hein? C'est pas un date. C'est pas un Sais pas ce qui date. t'arrive. Eh non. Moi, je sais ce qui t'arrive. J'y comprends pas. En plus, je l'ai trouvé très mignon. Il a Moi, je été sais ce qui gentil, il t'arrive. m'a Tu sais ce qui demandé est-ce que t'arrive? je peux te demander rendez-vous. Et sur le coup, j'ai failli dire oui. Et d'un coup, je me suis retenue et j'ai dit non. J'ai bégayé. Moi, je bégaye. Ouais, mais moi, je sais pourquoi. Ah oui, pourquoi? Parce que C'est je la t'ai fait ce que tu fais fièvre. là. Ah, c'est à Non. cause de moi. Viens des bientôt. Mais les bananas, c'était pas comme ça. Alors que j'allais Oui, me mais. marier. Quoique si j'ai quand même rompu avec tout le monde. Hein. Ouais, sauf que moi. Comment ça a rompu avec tout le monde? Eh ben les personnes que j'ai voyées en même temps. Eh ben oui, comme j'étais fiancée, j'allais pas continuer à m'amuser à côté quand même, et j'ai les principes, hein. Ouais, donc tu t'amuses plus à côté, hein. Eh non. Non, mais là, tu t'amuses plus à côté. Pas sur moi. Et là non plus, du coup.
C'est bien. Non, c'est pas normal.